que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shane. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé là-dessus. Et puis là il me fallait quelque chose de spécial, on va dire, pour les cadeaux de fin d'année des maîtresses. Donc alors je vais commencer par en piochant ça. Donc là c'est des petits stickers. Donc si je peux je vous mettrai les prix ici. Et puis combien il y en a, je ne me rappelle plus du tout. Non, c'est pas marqué. Non. Alors, on a un. Donc on va compter. Donc là, il y en a des doubles apparemment. Ah non, c'est on a trois doubles comme ça. Bon, franchement, alors, ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. Je pensais que c'était un petit peu plus grand, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, on en a trois. On a trois aussi comme ça. Donc voilà. Alors pourquoi lui il vibre? Ah, parce qu'il veut pas charger. Alors voilà. C'était mal mis. Hop. Donc on a trois comme ça. Et on a trois comme ça. Donc voilà pour ça. Alors, bon, je vais remettre dans leur sachet, comme ça je vais mettre dans ma petite boîte. Ensuite, je pioche. Alors, on va prendre ça. Donc ça, j'avais pris une petite perfo comme ça. Donc ça, je pense que ça doit être une... Je sais pas c'est quoi. On verra bien. Et en fait, ça, ça va m'aider à faire des... Donc par exemple, quand vous faites un tag... Alors, je me suis pris à l'envers. Hop, à faire des petits poinçons, mais en forme de cœur. Donc il y avait plusieurs formes. J'ai choisi celui-là pour commencer. Donc pour l'instant elle est bien, elle est pas trop dure. Bon oui, j'ai toujours pas mis mon vernis ongles. Le poinçon il est petit. Je pense qu'il fait bon, il fait 0,5. Donc voilà pour ça. On va remettre ça. Ensuite, je pioche. Et là, on a cette boîte-là. Donc là, c'est pareil. Ce sera... Alors, ça se... Ah, comme ça. Donc, c'est des petites rondelles de bois. Déjà perforées. Et ça mesure de diamètre 3,5. Donc, il y en a 50, je crois. Je m'en rappelle plus. On sait pas. C'est pas marqué, mais il doit y en avoir 50, il me semble. Donc, il y en a qui se cachent en dessous. Ça sent super bon le bois. J'aime bien. Hop. On va mettre ça comme ça. Donc là on a des petits cercles qui ira là avant de mettre la chaînette. Et là on retrouve donc la chaînette plus l'accroche. Donc ça accroche, c'était pas obligatoire qu'ils m'en mettent hein, parce que moi j'en ai déjà plein, mais c'est pas grave. Et on a la petite chaînette, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Du coup, j'en ai 50. Et ils sont tous comme ça. Donc voilà pour ça. On fera des petits tutos avec. Quand j'envoie des petits créations, bah, je pourrais leur mettre aussi un petit porte-clés comme ça. Donc ça, je vous mettrai le prix là et puis etc. Ensuite, je pioche. Alors ça, en dernier. Hop. Alors, on a ce dice-là qui fait... qui fait checker.
Donc, je mettrai une petite image là. Franchement, il est trop, trop, trop beau. Avec le petit nœud là. Donc, voilà. Alors, comme ça, il fait 10,3. Et puis, comme ça, bon, bah, c'est à peu près 7,5. Donc, voilà pour ça. Ah, j'avais peut-être les prix là. Non, là, je n'ai pas les prix. Ça, c'est au cas où si j'avais un retour. Mais j'en ai pas. Et ensuite, donc, ça, pareil, on fera des tutos bientôt, la semaine prochaine, normalement. Après lundi, bien sûr. Pour les cadeaux des fêtes, des fins d'année de maîtresse. Donc, j'en ai eu 6. C'est des grandes planches en bois. Bien sûr, on viendra faire du serviettage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sent très bon aussi. Hein. Donc, c'est des petites raquettes, on va dire. Donc, elles sont très fines. Elles mesurent 3 mm. Et en comme ça, alors maintenant qu'elle sera trop petite, je vais prendre celle qui est là. Mais en là, c'est vraiment un chantier. J'ai même pas encore rangé mon bureau depuis lundi. Depuis lundi, de toute façon, je fais que ça de bouger. Donc, j'ai même pas encore fini la TC de ce jour et d'hier aussi. Donc, alors ça fait 25 cm. Donc, 25 cm. Et le cercle lui-même, il fait 18 cm de diamètre. Donc voilà, j'en ai 6. Donc il y aura 2 pour les maîtresses. Et puis, je vais en faire chacune pour mes enfants, s'ils en veulent, bien sûr. Et sinon, bah, je mettrai un petit peu partout dans ma scrap room où je mettrai du serviettage, etc. Ou je viendrai jouer avec. Non, je rigole. Donc voilà pour mon petit haul Shane. Donc le haul Amazon, je vous l'avais déjà fait montrer. Et le haul Temu, pareil, je vous l'avais déjà fait montrer aussi. Donc je vais vous le faire montrer une dernière fois. Donc là, c'était un maillot, c'est rien. Donc là, il y avait le vernis permanent, le bleu, le rose. Donc le bleu, lui, franchement, il est trop beau. Il est comme ça. En fait, là, il fait un bleu pas beaucoup, pas clair, mais je sais pas comment dire. Et là, en fait, il vient sur bleu nuit. Franchement, il est trop, trop beau. Et je sais plus quand je l'ai mis, mais il tient parfaitement. Donc, ça, c'est vrai, ça, c'est de la colle dessus. Il faut que j'enlève. Mais franchement, il tient. On voit déjà mes ongles qui ont poussé. On voit les... là. Donc, c'est pas grave. Et puis là, on a le rouge. Ensuite, j'avais pris des petits trucs comme ça, là, pour les porte-bijoux, etc. Les bijoux d'album. La petite chaînette toute petite, de la dentelle, enfin, du ruban. Des petits trucs comme ça pour peut-être mes nuanciers, je vais voir, parce que j'ai déjà imprimé des papiers, donc c'est pas grave. Et puis, c'est tout. C'est déjà bien, je trouve. Et là, donc, j'ai tout reçu mes colis, sauf mon dernier colis Amazon que je reçois cet après-midi, entre 13h et 14h. Donc, j'ai hâte parce que là, mon petit coin scrap room, c'est vraiment mais le dawa. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être tout à l'heure pour un daily vlog. Bisous!